Salut tout le monde, c'est CyberShot. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Satan et Wan. Salut! Pour un nouvel épisode de Pixel Moon, l'épisode 7. Oui, ça a bien été. Sur mon point de vue, vous voyez mon. Ok, j'ai un petit skin. Voilà. C'est celui de Satan et Wan. Non, c'est normal. Donc, je vais dire de lutte. Voilà. Les héros de la deuxième génération. Bon, la première chose que j'allais faire, c'est aller dans le magasin pour aller échanger quelque chose. Après ça, on s'en fout. Après, j'étais posé sur 10 atouts. Pour capturer un autre Pokémon oiseau parce que j'aime pas trop. Parce que j'aime pas trop parce que je peux pas voler. Hop, et avec ça, je vais le garder pour les systèmes, on va peut-être acheter des Pokémon. Attends, moi je vais prendre des potions. Je vais m'acheter un petit peu de Pokémon. Attends, peut-être un petit système pour demander. Je vais prendre des potions. Changer des potions contre des Pokémon. Il y a un forgeron ici. Deux Pokéball. Bon comment. Alors en fait, ce sont mon. Moi, c'est des villageois. Genre c'est des commerçants qu'on voit. Bon comment. Ah ben apparemment on va avoir des commandes. Y a-t-il une mission ici? Oui. Non, attends, c'est le magasin de vélo ça. Attends, je vais te montrer. En fait, c'est que. Il y a la bicyclette là. Pour avoir l'œuf de cheval là. C'est cher. Mais comment on a le bon commande pour avoir des boulets? Ça c'est dans... Ok, tu peux acheter pour deux stacks, tu peux t'acheter deux boulets. Ouais, puis c'est donc, dans le fond, ça coûte deux stacks d'or plus trois. Putain. Ça coûte deux stacks d'or ou un bon commande. Ouais, mais c'est où qu'on a les bons commandes? Ah, ça on va l'avoir maintenant dans l'aventure si on explore. Ok. Donc on va peut-être pas partir. Ça fait chier en faisant table, ça te fait arrêter. Donc oui, j'ai fait taper le peu d'espace dans mon inventaire et j'avais pas mal de trucs inutiles. Moi aussi, j'ai mis mes stones ici. Pour l'instant, je n'ai pas de Pokémon pour le mettre. Tomato Berry, je l'ai pas mis. Ici, j'ai un Flame Charge qui me sert à rien pour l'instant. Mon Bullet Badge, des patates, des berries, des potions. Attends, tu peux passer ton Flame Charge en attaque de besoin, moi. Ok, tiens. Attends, des Blue Apricorn, j'en ai pas besoin. J'ai pas d'attaque feu, donc tu peux la prendre. Bon. Et ben faudrait qu'on se give de la bouffe. Moi je m'en suis give en off. Attends, ok. Slash de la bouffe game pour pas mode. Mourir de faim. Ouais, on pourrait quasiment mettre saturation. C'est sûr. Voilà, cookie de pork chops. Il va pas m'en manquer maintenant. Donc là, oui, qu'est-ce que tu voulais faire? Ça, c'est le tien, ça, Zaziz Atou? Non. Non. Ben, je me suis fait attaquer. Zaziz Atou. Ah oui, tu vois, je l'ai renommé Marie-Di. En ton honneur, Marie, si t'écoutes ça. Donc, c'est mon psy doc. Zaziz Atou, c'est un type quoi, hein? C'est un. Vol et psy. Ah, ben, Vol puis ours, c'est pas très une bonne idée. Donc, on va changer. On n'a pas besoin de flame charge pour l'instant. Vol, c'est mauvais contre. C'est mauvais contre les plantes? Non, c'est bon contre les plantes. Ok, c'est bon contre la roche? Non. Non, ok, ben voilà. On va mettre des rochers. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse un truc avec ton des rochers qui vont cristalliser. Use téléporte. Ouais, ça enfuit, ça veut dire. Ok. On suit moi, on va dans le centre Pokémon. Ok, Google centre Pokémon. Attends, je vais juste faire slash weather clear parce que là, je veux pas de. Non, on va faire pendant la pluie. Oh, on fera. Wow. Là, va-t'en sur la machine. Fais clic droit sur la machine. Tu veux changer? Là, échange ton dérocher. Pourquoi? Là, fais. Ready. Ready.
On fait trade. Là, regarde, il évolue, puis moi, des rochers évoluent. Baldur is evolving. Parce que ce Pokémon-là, il évolue juste quand on les échange. C'est pour que les personnes achètent les deux jeux. Money, ou sinon, bah, c'est que... C'est quand même assez mandat. Bâtard, hein. Mais tu sais, c'est que le problème, il faut deux consoles, il faut... Il faut deux consoles, il faut... Gigalith, lol. Ok, suis-moi. Si Lit, tu écoutes, voilà, t'as Gigalith maintenant. Bah, tu veux pas le rééchanger? Ouais, non, mais je... viens, on va montrer de quoi il a l'air. What? Bah, il ressemble juste à maintenant un rocher. Ok, lol. Fais-tu voir le mien? Il est moins beau. Tu vois le mien? Il a pas beaucoup changé. Ah oui, quand même pas mal. Il est plus... Bon, ben, on va essayer de charger. Le mien est toujours plus gros, donc c'est cool. T'es que je te montre ma poubelle. Voilà. Ready trade. Voilà. Voilà. C'est bon, donc maintenant on a... Bon, maintenant tu peux enlever la pluie. Ok. Wow. J'ai juste les heals. Je vais mettre ce jour. Tum 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 tum. Voilà, on est le voilà. Jour. Les heals aussi, je suis bon, cet épisode-ci, on devrait pas mal farmer un peu. Ouais. Donc, un petit épisode relax pour le retour des vacances à Cybershot. Ouais. Bientôt fini les vacances, hein. Ouais. Malheureusement, les clubs. On va aller sur le pont. Tu as fait Winter Clear? Non, j'ai pas fait la Winter Clear. Faut qu'on aille sur la route 24. Wow. La route 24, la route soleil. Donc, à Azuria, dans le fond, on a rien fait. Ben, voir où on arrive, mais ce sera pour l'épisode, prochain épisode. Ok. Ah non, c'est vrai, c'est... non, le nom de la ville de Azuria. Ah merde. Azuria, c'est Ladon. Non, c'est Cerulean, j'avais oublié. Cerulean? Cerulean, ouais, ou c'est Ladon? Cerulean. C'est Ladon, c'est une autre ville. Ok. Ouais, c'est quoi ça? Attends, attends, reviens sur le pont. Qu'est-ce qu'il y a sur le pont? Moi, je suis immobile, là. Je suis plus capable de bouger. Je suis plus capable de bouger, attends. Tiens. Non, je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable. Ok, attends, je te bouge. Arrête, arrête, arrête! Change les contrôles, peut-être? T'es capable de bouger? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc, faut qu'on fasse un duel. Ah, un duel sur le pont? Ouais, parce qu'il y en avait un contre le rival, mal. Ok. Mais c'est au début du pont. Bon, j'ai lancé des rochers, tiens. Très bien, donc moi, j'envoie lui! J'ai pas vu c'est quoi. T'as un Pokémon de moi. Tortuga, ben là. Un combat très équitable, donc bien sûr, on va continuer le combat, voilà. Ah, zut, je l'avais pas vu. Oh merde, il a évolué. Oui, oui. Et oh, ça va être le jeu de change ton Pokémon pour un Pokémon. Bah, comme en stratégie, hein. Ah mince, j'aurais pu te surprendre. Zut! Georgette, attends, okay. Marie-Di, c'est... Ok, Marie-Di, c'est lui. Ouais. Je pensais que moi, c'était ton rush. Non, j'ai ah, renommé des rushers. C'est vrai. C'est quoi cette triplette? Tu le vois pas? Ah, ok, c'est lui. Ok, ça me convient. Ça te convient? Bah oui. Oh putain! Ah, ok. non, 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 non! Ah, bah, yesterday. Eh merde. Et je vais pas envoyer lui. Allez, bien joué, Amandine, continue comme ça. Oh, chier. on va envoyer Lucien. Oh shit. Ne messe pas with la poubelle. Ah, c'est vrai, je peux pas switch. Ah non, je vais mourir. Bon, bah, autant faire du absorbe. Hein. Ah, yes. Oh, yes, c'est miss. Mist, merde. Il trash. Ah, man. Oh, what? Ah, oh, merde, de Migruki. Non! Ah, non, y'a voyé Marigdi. Water Pulse. Non! Ça va le sleep. Yes, it's... Ah bah c'est... Oui, ça l'affectait pas.
Bon, malheureusement, mon... Georgette, putain. Ah. Je vais faire ça. Coco, Marexi. Il y a mal. Ouch. Moi aussi. Donc, on va y aller, tiens. Boum. Non, bah, je suis mort. Et toi. Je vais te pas une attaque roche, moi, de ça. Oh. là, là. Ah, non. Ça, bah, je il va sortir Gricky, c'est sûr. Même pas. Rock là, il fait mal, hein? Ouais. Et merde. bon, ben... Vas-y, one shot me. One shot mes Pokémon, vas-y. Attends. User lay a trap of living stone around. Ah oui, ça c'est bon. Ah, oh, merde. Des PDR. Il m'en faut des PDR. Ok, on va enlever. On va enlever ça. Et ben, on va faire une botte. Oh, t'as fait Sucker Punch. Sucker Punch, c'est utile parce que, en fait, si le Pokémon en face y attaque, ben, l'attaque va attaquer en premier. Mais si elle a pas, genre, elle a fait une attaque qui enlève pas de dégâts, ça va pas tuer. Fait que ça, t'es plus... si t'es plus rapide, je meurs. Si je suis plus rapide, tu meurs. Quoi? Ah, t'es Switch? Ah, t'es le heal! Eh, mais là, j'allais pas mourir comme ça. Ah, ben là, je suis mort. Vas-y, ton tata. Allez, ton tata. Mais là... Voilà, alors... Voilà bon... J'ai perdu. Celeste est monté au niveau 37. Slash Poké Heal. Même si j'aurais été TP là-bas normalement. T'inquiète pas, tu vas gagner un jour contre moi. Ah, un jour. Merde, ouais. Ah, merde. En fait, c'est... What? C'est quoi ça, là-bas? Les gros panneaux bleus ou le bâtiment là? Le panneau bleu. Les panneaux bleus, c'était un test que j'avais fait pour les shops. Ah, ok. Rapport. Sors. Ah, je suis enfermé à l'intérieur. Non, ok. Sors, t'as pas le droit de rentrer. Ah, ok, wow. C'est pas chez nous. On va faire ça plus tard. Mais là, on s'en fout dans un jeu vidéo. Non, ok. La propriété privée dans les jeux vidéo, là, tout le monde s'en fout. Peut-être pas dans Skyrim, mais dans tous les autres jeux vidéo, genre Zelda. Pokémon. Sur Zelda, c'est pire, hein, tu rentres. Tu pètes leur petit pot, puis ils sont genre, ok. Prends mes gemmes qui sont dans mes pots, puis. Cache des valeurs pour pas qu'ils trouvent. Dans Pokémon, c'est genre, tu rentres. Bonjour. Et ils disent quelque chose. Tu fais juste déjà parler au petit vieux, puis à la fille. Yo, je t'ai changé un Pokémon. C'est ça. Là, il dit, moi, dans mon temps. J'ai plus là les souvenirs des badges, est-ce que donc, ça t'intéresse? De quoi ça? Là, il y a des personnes qui disaient ça dans le bâtiment, je peux lire les souvenirs des badges. Ça t'intéresse. Surtout, en plus, il y en avait un autre. Donc là, on continue après, on sur la route 25. Oui. T'as mis ça, man, ça me ferait... Ça ferait quasiment hype, sérieux. Juste bouger comme ça, ça fait... Ça me fait un peu bizarre. Ah! J'ai l'impression que tu recules. Oh mon dieu, un labyrinthe! Non, bah viens ici, on peut s'exprimer un petit peu contre des Pokémon plantes. Ah, ok, il y a des Pokémon là. Oh mon dieu, ils sont dans des hautes herbes. Pour une fois, tu sais. Bellsprout, on va envoyer Wimpimbell et Oddish. Bon, très bien, il fallait que je fasse des et ça c'est qui? C'est Oddish aussi, ok. Bellsprout, on va on va envoyer qui? Moi j'ai entraîné. On va envoyer Spider-Man. Grotte sur Gloom. Je te défie. Fight. Voilà. Viens ici. On va toutes les démolir. Best Brown. Moi je vais juste faire évoluer mon Pokémon. J'ai pas l'impression d'avoir de son. Oui, j'ai des sons. Attends. Je reviens chez une ellipse. Bon, re. Moi j'ai pas re. Ok. Ok, ça c'est toi qui l'as tué. Tu m'as piqué mon Oddish en plus. Ah, j'entendais pas les... Oh mon dieu, on peut monter. Ne rêve pas. Moi je vais faire évoluer Grookey, va être imbattable quand il va évoluer.
Non! Ou on dirait 35, peut-être un niveau, je pense, puis il va évoluer. Attends, y'en a un autre là-bas. Non, dis-moi, Bellsprout. Single beam, okay. Boom. À deux coups de single beam, je fais juste le tuer, donc c'est pas très difficile. Ah, moi, j'ai tué genre quelques coups de. En genre, deux coups de Vindancy. Mon dieu, qu'on reçoit de la merde. Dans une aventure comme ça, il faudrait quasiment envoyer. C'est pour ça que j'avais autant de trucs bizarres. C'est pas pire quand tu fais une série genre survie, mais. Hop. Oh, il va évoluer. Single beam. Voilà. Oh putain, il fait mal. Oh, rookie evolving. Voilà. Mike is evolving. Oui, oui. Bellsprout. Tu vas où là? Je suis Bellsprout là. Ok. Bellsprout m'amène comme un pédophile dans son coin. Est-ce qu'il a évolué, Spider-Man? Non, toujours pas. Merde, il est en bas. Il a évolué au niveau, au prochain niveau. Niveau 36. T'as-tu un moyen de voir c'est quoi son XP? Tu fais ce Mary, je pense. Ah voilà, oui, il est bientôt, ça. Bientôt. Je pense qu'il en tient un autre, puis il devrait être correct. Regarde. Il a besoin de 300 XP. Il a besoin de 300 XP encore. Donc, Il est évolué. Puis, vu qu'on gagne plus d'XP. Ouais, faut que je gagne encore une partie. Ouais, c'est quoi qu'il y a là-bas en haut? Là-bas? C'est un Pokémon. Ok, il vient de disparaître. Mais c'est un Pokémon qui est genre pop du jeu. Genre de la map, là. Okay, c'est pour moi qui s'est fait popper. Regarde, il y a une poubelle. Ouais, je la vois. Au moins, eux, ils nous attaquent pas, genre... Lol. Non, c'est moi qui décide s'ils nous attaquent ou non. Fait que l'autre fois, c'est moi qui ai décidé qu'ils soient comme ça. Donc, c'est toi qui décidais qu'ils nous spammaient, ouais. Genre, tu sors pas d'ici. J'avais pas changé, là. Merde, il confuse. Attends, oh, Amandine. Hey, dis-moi. Oui, il évolue. Oh, mon dieu. Joltik is evolving. Là, tu ne voyais pas l'évolution, toi? Non. Tu n'as pas vu la mienne non plus. What? Galvantula. Tu veux la voir? Ouais. Voilà. Yeah, il a grossi. Il a quasiment plus de vie, il est empoisonné, je pense qu'il va... On fait un slash Poké Heals. Je vais peut-être attendre. Ça fait, on va enregistrer un peu sur la RP. On continue-tu? Voilà. Ouais, il faut qu'on continue aussi, j'ai oublié qu'on avait une affaire à faire l'autre bout. Labyrinthe. Donc on va utiliser de la magie noire pour se soigner, pour mettre le jour. C'est de la magie blanche. Voilà. En tout cas, c'est un labyrinthe très compliqué. Oh, une Pokéball. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Waterstone! Donc j'ai un autre Waterstone. Je sais pas, je peux pas évoluer Marigdi, me semble, avec. Non, il évolue au niveau 37. Non, mais avec une Waterstone. Non, il évolue au niveau 37, Marigdi. Hop, attends. Mais ça fait quoi? Attends, les Waterstones, c'est pas fait pour les évoluer? C'est pas tous les Pokémon hauts qui évoluent qu'une pierre haut. Ok. Oh, une petite maison, est-ce qu'on peut aller la regarder comme des vues pédophiles? Ouais, faut qu'on aille dedans. Ok. C'est quoi cette face, man? What? C'est un Pokémon, ok. What? Il y avait sa tête à travers la porte, c'est genre, coucou, ouais. Venez ça, chez moi. Pokémon. Ça, c'est un Pokémon. Ah, il y a le passe-bateau. Tu peux parler. Non, prends-le pas. On veut parler avec le cochon. Non, fais parler. Parler. Salut, un ami, tu peux m'aider? Non. Mais qu'on peut partir. Non. Mais là. Ah, oh, il est là. Ok, faut prendre la carotte. C'est où la carotte? Mais là, il nous a dit... Si je dis oui, qu'est-ce qu'il va me dire? Ah, il va te donner une récompense. Bon, ah, ok, faire. Attends. C'est ici qu'il faut qu'il aille. Non, c'est pas là. C'est là. Je m'en occupe. Spawn un pig. Non. Faut qu'on prenne lui. Hey! C'est un portail du Nether, ça? Ouais, je sais, c'était là quand j'ai fait ça. Spencer, okay. Bucket. Ah, c'est tellement de sang, là, quand t'essaies d'attirer le cochon avec les carottes. Tabarouette, il me fait peur. J'allais me cacher dans le coin. Mais je veux même pas aller me cacher dans le coin. Tes animaux font peur. Peux-tu m'aider à le pousser? Ouais, on va le pousser. C'est un œuf de cochon, encore, est-ce qu'il dépop? Il est pas dépopé. Ah ouais, viens! Attends, essaye. Ah, c'est bon, il me suit. Non, attends, essaye avec ma carotte. Une carotte, ça? Ouais, lui, il s'appelle Léo, en fait, le gars.
Suis-moi, tu es un cochon. Non, ici. Arrête de le suivre, c'est plus lui ton maître, c'est moi qui ai la carotte. Oh, oh, attends, on va réussir. Attends. Attends, faut qu'on s'arrange pour le rentrer. C'est bon, je pense qu'on a réussi. On ferme la porte. Sors. Je vais fermer la porte. Non! Go. C'est bon. Donc là, faut activer le levier sur son bureau. Teleportation. C'est moi, ça fait rien. Oh mon dieu, il y a quelqu'un! Bon, il pourra juste sortir. Bon, transformé merci beaucoup. Ou quoi? Bon, attends, il est enfermé. Ben, il peut sortir. Il y a des plaques de pression. Mais il y a un monsieur. Mon dieu, c'est le cochon, attends. Ah, attends, il est supposé avoir la lave. Tant pis, on va le tuer parce qu'il est supposé mourir. Le cochon? Oui. C'est mal foutu. Et la personne, j'ai une carte pour toi. Bon, on s'en fout de la carte. En fait, les portes, ou c'est quoi, là? C'était quoi le but là-dedans? Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui se passe? C'est genre une téléportation ou une transformation d'un cochon en un humain ou quoi? Ben ça c'est Léo, c'est le Pokémaniaque qui aime beaucoup les Pokémon. Donc dans le fond le gars il se transforme en Pokémon? Ben il a fait une expérience, ça a mal tourné. Ok, donc, là on l'a aidé pour revenir normal. Donc là, passe-bateau. Ouais, j'ai donné le passe-bateau. Ok. C'est pour aller à l'océan qui a calmé son mère, mais... Mais le gars, il est un niveau 6 donc... Je l'ai déjà eu le kill one shot genre, ouais voilà. You receive redstone. Bon ben encore plus de merde. Ah, on s'arrête ici. Tu veux t'arrêter ici? Ça fait 20 minutes qu'on tourne. Ça fait 20 minutes qu'on tourne déjà. Mon dieu, le temps passe si vite. L'épisode un peu vide. Donc pour les prochains épisodes. On rentre à Azuria avant. Tu veux re-rentrer à Azuria? Ouais, regarde, il y a un chemin plus court par ici. Un passage secret. Let's go. J'ai voyagé en manière bon. C'est rapide si tu sautes ou si tu sautes pas ou quoi? Ah oh non, c'est juste toi tu fais des zigzags. Donc t'es quasiment plus rapide. Non, je te rattrape. Il va me rattraper. Oui, je te rattrape. Sur la genre, je l'ai foutu plein de lave. Bon, là, il y a le feu. Ah, on Steven, oui. Je peux aller. Soigner mon Spider-Man d'une manière complètement RP. Putain. On va manger. Oui. Ah ah, on est arrivé à Azuria. On voit la maison qui s'est faite cambrioler. Elle s'est fait exploser par quoi ici? L'attaque tunnel. Bon, allez, on va aller soigner nos Pokémon et on va se laisser ici pour cet épisode. Donc j'espère que vous avez aimé. Il n'y a pas grand chose d'important qui s'est passé. Oh, bah oui, on a sauvé Léo. On a sauvé Léo, le cochon. Non, c'est pas le... Pour aller soigner. Le Ramolos. Et c'est ça, donc on a sauvé Léo. Ça bon, va être le prochain... Ça, c'est le prochain film qui arrive bientôt, sauver Léo. Non, c'est juste un événement, je trouve, important. C'est pas le jeu. Ah, Léo, si vous avez aimé, mais... Oh, Tanga Léo était revenu un moment donné pour trouver Evoli. Evoli, ok. Ouais, puis il était arrivé à la fin du deuxième, me semble. Du deuxième Pokémon? Du deuxième manga. Alors, en fait, moi, je lis le nouveau, là. Ok, donc, dans le fond, tu lis tous les mangas. Non, j'en ai juste lu. J'ai joué pas mal, bonne majorité des jeux. Non, j'ai juste lu les deux tomes du remake du nouveau manga. Sinon, j'ai joué à tous les jeux, etc. C'est comment lire des mangas? Genre, lire des livres à l'envers? Bah tu t'habitues là maintenant. Ok. Bon. En plus c'est en plus une. J'étais pas capable, moi, quelqu'un m'avait montré un manga une fois pis j'ai genre ok pourquoi ça commence par la fin puis après. Si j'avais pas compris le principe encore des mangas. Bah je sais pas si c'est les mangas ou si c'est les livres japonais. Bah les mangas c'est des livres japonais là. Justement, fait que sûrement que je pense que tous les livres japonais. J'imagine qu'ils lisent, c'est ça, ils lisent comme ça eux autres. Comme les arabes. Oui. Les autres ont des robots qui servent à torcher les vieux. Des robots qui servent à torcher les vieux. Ouais. Ça s'appelle un incinérateur. Mais c'est vrai. Bah ben torcher genre dans le sens essuyer le caca là. Ah ok. 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 On s'arrête donc, ici. On va arrêter ça ici. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On a fait un petit duel. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas fait de duel. Hein?
Ça fait un petit bout, c'est que t'as pas gagné. Attends, j'ai de la musique là. Wow! C'était bonne la musique, mais ça va faire. Donc, vous pouvez vous abonner à nos chaînes respectives pour savoir quand nos prochaines vidéos vont sortir. Donc, sur nos chaînes. Vous pouvez aller voir aussi qu'est-ce que nous faisons d'autre sur nos chaînes. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!